3 points d'écart entre Montpellier 11e et Lens 9e. Les Montpelliérains pourraient donc revenir à hauteur des 100 et heures en cas de victoire, mais Montpellier doit évoluer sans des joueurs importants, Omlin le gardien, Savanier ou encore Andy Delors. Montpellier reste sur 7 matchs sans victoire et n'a pris qu'un point sur les 5 dernières rencontres. Lens de son côté a également ralenti, une victoire sur les 5 derniers matchs pour un nul et 3 défaites. Mystère sur l'identité du vainqueur dans cette partie s'il doit y en avoir un. Ballon mal dégagé par l'équipe montpelliéraine. Cheikh Doucouré en profite 1-0 dès la 7e minute. Le tir magnifique du joueur malien. Deuxième but de la saison pour Doucouré. Montpellier n'a pas su écarter le danger. Et les Lensois en profitent. Ils mènent vite à l'extérieur. Montpellier essaye de réagir avec cette reprise de la tête et la parade spectaculaire de Jean-Louis Lecq, le gardien de but et capitaine de Lens. Très jolie tête de Joris Chautard. Mais le gardien Lensois était bien présent. Une belle chance d'égalisation pour Montpellier. Et un score de 1-0 en faveur de Lens à la mi-temps. En seconde période, les joueurs de Michel Derzakarian veulent insister, mais Lens a des possibilités, notamment ici, de marquer un deuxième but. La sortie de Dimitri Berthaud, le remplaçant de Jonas Omlin. Et la reprise de la tête au-dessus de Massadio Aïdara. Les Lensois restent dangereux. Gaël Kakuta récupère la balle. Kakuta du pied droit. Le tir magnifique de l'international congolais. 2-0 à la 67e minute. Magnifique but de Gaël Kakuta. Son 9e de la saison. Et son 3e du pied droit en Ligue 1 Uber Eats. Sur 21 buts inscrits. Un geste rare de Gaël Kakuta. Et un but précieux. Ça fait 2-0. Lens se dirige peut-être vers la victoire. Mais il reste du temps et Montpellier essaye de se relancer, notamment sur ce coup franc sauvé par Jean-Louis Lecq. Junior Sambia a mis de la puissance, c'était cadré, mais le gardien Lensois a sauvé la situation. Encore un coup franc avec ce ballon qui passe à côté du but. Jean-Louis Lecq encore sur la trajectoire. Incroyable prestation du gardien de Lens. Il maintient les deux buts d'avance pour son équipe, mais Montpellier a le mérite de ne pas désarmer et de finir par marquer un but superbe. Eli Wahi marque son 2e but de la saison à la 78e minute, servi par Junior Sambia. Le geste spectaculaire d'Eli Wahi pour un match qu'il est tout autant. Le suspense est de retour pour les dernières minutes. Mais Lens résiste jusqu'à la fin. Victoire de Lens, 2-1 sur le terrain de Montpellier.